Alors je me suis dit, tu sais, on dit souvent ça bien né, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est un mot que j'aime beaucoup répéter, c'est la vérité. Alors du coup, être ici aujourd'hui, ça a été pour moi comme, ça présentait comme un défi, mais dans le fond, ce n'était pas un défi, c'est parce que je suis une personne qui prend des décisions après mûre réflexion. Fait que j'ai pris le temps de t'observer, j'ai pris le temps de te voir aller. Je vais passer les détails parce qu'on n'est pas là pour ça, mais le produit que tu présentes, j'avais beaucoup de questions là-dessus. Et j'ai pris le temps de faire plusieurs directs. Je t'ai parlé d'une professionnelle du cosmétique, qui est chimiste d'ailleurs, qui a étudié en Allemagne, je vais faire le nom aussi, et qui m'a beaucoup parlé de tes produits et qui m'a encore, you know, voilà. Fait que, en étant outillée de tout ça, je me suis partagez dit, ta beauté, les gars. De la sorte, en plus sur les champs, parce que vous savez, les champs, ça m'appelle. Voilà, il y a le salon Hoche, il y a tout ça. Donc voilà, et comme je dis toujours, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Donc c'est l'année de mon année, voilà. Alors je me suis dit, je soutiens cet événement, je serai à la vente privée. Ça paraît comme un tollé, comme un, mais c'était vrai. Et je suis là, je suis très fière. De tout ce que j'ai appris déjà et de ce que tu fais comme travail et le fait que tu sélectionnes de ce qui est bien pour nous. Parce que nous, les personnes noires, on dirait que nos choses sont toujours derrière. C'est comme si on nous met toujours comme... On est laissé pour compte. Mais là, quand tu es allé chercher les meilleurs produits, tu n'as pas oublié de penser aux albinos aussi. Moi, c'est l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on doit encourager, tu vois, et soutenir avec nos tripes s'il le faut. Alors, je me suis dit, ne pas être là sera un péché. Sera un péché. Et je suis fière d'être là. Hier, je suis venue te voir dans l'installation, dans tout ton élément. Et aujourd'hui, je suis contente de participer à cet événement. Et franchement, je peux te dire, chapeau, émotion. Et ton âme à ta triste, qu'on ait eu le temps de faire la paix. Donc, on n'avait pas un gros problème, comme je vous l'ai toujours dit sur les réseaux. Mais, Pépé, tu as ma parole, selon le grand frère Jean-Louis Le Sang. Pardon. Selon le grand frère, c'est pas grave. Je l'ai appelé avec son nom. Selon le grand frère Raymond Tchenga. Grand frère Raymond Tchenga, tu peux être sûr que ta parole a été respectée, tes vœux ont été respectés au finish. Donc, vraiment, ça me fait plaisir que tout ça se passe comme ça. Vraiment, merci beaucoup. Non, c'est pas grave, c'est correct. Le nom a été bien pour voilà. Bisous. Alors, Pépé, si tu as quelque chose à dire. Ben, j'ai pas grand chose à dire. Hein. J'ai pas grand chose à dire. Les deux dames, les deux grandes dames ont tout dit. Merci. Tout ce qu'on dit, c'est que la paix. Oui, la paix. L'encouragement entrepreneurial. Et puis, tout ce que je peux dire, c'est quoi? Dis merci déjà à toutes ces personnes qui ont répondu présent, pardon. Merci à toutes ces personnes et puis que l'entrepreneuriat prenne de l'ampleur et puis vive la paix. Voilà, j'ai pas grand chose à dire en fait. En 2024, nous allons travailler. Et je souhaite la paix à tout le reste. Hein. Oui, la paix. Et là, c'est le travail. Elle est contagieuse. Et, merci à ma bosse. C'est pas grave. Ah, oh, j'aime ma voix pure. Voilà. La paix. On ne bagarre plus haut en 2024. Non, on avance. Voilà. Messieurs, mesdames, je vous dis au revoir. Et à bientôt. En 2024, on ne bagarre pas. On y a. Et le nom est bien prononcé, hein, parce qu'au-delà de tout ça, l'être humain, on parle de monsieur Raymond Tchenga. Et puis, parler, c'est pas facile. Vous pouvez faire les directs et parler. Après quelques coups de gros champagne, attendez. Voilà quoi. Reste, c'est du vent. Parce que moi-même, là, le champagne, elle boit plus. C'est la reine, mais c'est deux champagne. La reine, les bulles, sa splendeur. Voilà. Sur TikTok, vous êtes affairés, hein? Vous êtes montés, hein? Vous aimez ça, hein? Vous aimez ça. Dès qu'on a prononcé un nom, un genre, là, vous êtes montés, pium! Je vous attends sur ma cagnotte. Vous aimez le tchotcholi, hein? J'ai entendu la paix, donc faites la paix avec moi. Ou bien, faites la paix avec moi. La star au Shiga. C'est de ça qui